re tout le monde. Vous voyez comme ça passe vite 10 minutes. Il n'y avait pas du tout eu 10 minutes, mais... Oh mon dieu. Étrange ça comme plante. Pas moyen de passer à travers. Ah, on va pouvoir... On peut se concentrer sur l'équipement. Voyons voir. Ouais, merci. Voilà. Tu préférais lequel de pommeau du coup? Celui-là il est classe. Celui que je viens de mettre? Ouais. Ça c'est bon. J'avais ça aussi. Oh! Mieux. Ah, y a pas photo là, hein. Je suis désolé. On verra si c'est bien équilibré. Est-ce qu'on garde la lame blanche ou est-ce qu'on change un peu? Oui, non, on garde la lame blanche. Et là, c'est pareil, ça, je peux pas passer au travers. C'est pareil, fort bien. Il y a des poussières de cobots absolument partout. Lui l'a approché d'une façon très étrange. Du coup, j'imagine que je dois passer par ici. Pas de courant. Cet endroit a dû être abandonné et oublié. Oui, je suppose que Zed n'a pas oublié. Après toutes ces années, elle n'a jamais abandonné sa mission. On peut pas la laisser tomber. Ah, par là. Hey! J'ai eu aussi peur que lui, dites donc. Il y a un big monstre là derrière. Oh! Je crois que cette créature est coincée. Je peux pas la délivrer. Passons en dessous pour le moment. Ça va me ramener au départ, c'est ça? Exactement. Bloqué, ça va s'ouvrir. Peut-être l'aider plus tard. Très bien. On y va. Thank you.
cela m'a semblé relativement efficace. Qu'est-ce que... comme celle-ci auparavant, alors que j'ai démantelé de sacrées machines sur Braca. Curious. Là-bas, il y a un truc bleu. Comme pour la salle de Z, on a déjà vu ce genre de technologie, mais pas à une telle échelle. Donc, parce que... Mais là-bas, c'est plein de poussière de Braca, là. Enfin, de trucs. Est-ce que ce machin là-bas, ça dégageait les poussières de la zone de Kobo? Oui, totalement. Voilà. En tout cas, une partie. Aou. Aou. Wesh! J'ai pas eu le temps de me relever! Aberrant! Demi-tour droite instantané. Hop là, petite compétence, ça part. Ça me rendra plus de santé. On peut y aller. Ouais, mais je suis censé faire comment du coup? Ah là. Ok. Il faut retenir son souffle avant de traverser ça. Alors mon cher ami, vous avez l'air d'être tombé bien bas. Oh, je veux ça. Donne à moi. Donne. Bah ouais, grave. Là, il y a un trohu. Les bestioles qui vivent sur le complexe ont l'air assez énervées. C'est peut-être à cause de la poussière. Les patrouilles impériales n'aident pas non plus. Ah. Repère du Crash Bill. Un peu de secondaire, ça fait pas de mal. Confusion faune majeure. Ça pourrait être utile. Désorienter les créatures de grande taille, ok. Ça, j'imagine que c'est verrouillé. Ah non. Ah si. C'est un sens unique. Ça risque de poser problème.
Ou bien il pourrait nous aider. Ah, super. Hey! Tu peux m'aider? Eh ouais, mais... Les finish, par contre. C'est vraiment un tel plaisir. Regarde un peu ça. Oh! Slurp! Ah! Voilà! Ça, ça m'intéresse. Ouais, ça passe. Allez, go! Là-bas, il y a quoi? D'autres choses? Des graines. Tout ça pour ça? Une si grande zone pour ça? Ah! Je me disais aussi. Je sais pas où je vais, hein, je vous le dis. Je ne fais que suivre. Hein. Je pensais que... Non, tu ne pensais pas. Tu as perçu une menace et tu y as répondu. Si l'ordre s'était remué, on n'aurait pas perdu la République. L'Empire, la nuée d'action, la moitié de la galaxie souhaite notre mort. Oui. Les chances sont contre nous. Mais elles le seront toujours, quoi qu'il arrive. Le combat n'est pas forcément la solution adaptée à tous tes problèmes. Elle me tue, la bestiole. Ce n'est pas le moment de se battre. En train de me dire que j'ai pris la suite là. Et là il y avait du secondaire que j'ai manqué. Ça c'est de la vitesse. Ok. C'était
Oui, je... La ferme. C'est assez rapide pour toi là. Voilà, on transperce. Ça, c'est fait. C'est un peu ça l'idée, ouais. Je te fais venir à moi et je t'explose. Oh oui, ça, ça me plaît ça. Nice. J'ai raté des trucs là-bas, donc on va aller voir aussi. Bingo. Miami. Ouais. Et ça part. Là, il y a un truc aussi. Je sais pas trop bien à quoi ça sert, mais bon. Ouais, oh ! Je pouvais interagir avec quoi ? Ça. Oh ! C'est bon, oui. Ne traîne pas, Bédien. Ça a marché. Continuons d'avancer. Depuis quand il était coincé dans ce truc? On dirait que cette drôle de matière peut prendre différentes formes. Espérons que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses. Matériaux pour chasseurs. Compris. Ah, rien. Oh.
Ça va. Ça va, ça va. Et là, c'est toute la zone qui est prise. Ah, là, c'est pour se raccrocher, ok. Même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, je me suis fait rouler dessus, littéralement. Ouais. Aïe aïe aïe. Je suis contraint de refaire le tour. Il y a lui là-bas aussi là. Il y a un coffre là en dessous, non? Il y a un truc là-dessous, c'est sûr. Genre y a rien. Là, il y a un coffre, ça c'est un coffre, non? Oui, c'est un coffre, ça. Je vais aller le chercher. La ferme, toi. Là où il y a un coffre. Ah, nice. Ha ha, la moustache. Non, non, tu vas me laisser tranquille, toi. Ah ah ! Hé 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 ! Cet homme qui a su regarder. J'ai bien fait ! J'adore BD1, comment il se pose à côté de... Oh, calme. Ouais, c'est excellent, moi j'adore. Juste un point de comp, ça me va. Putain, j'avais même pas vu cette porte, dis donc. T'as proposé de scanner là. Ce truc mue. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Ah, si, c'est ça. Si, si, c'est bien ça. Tu peux me rafistoler ? MDR, c'est lui qui te le colle, le Steam Pack, si t'es accroché comme ça. C'est gaulerie de ouf. C'est génial.
Mais... un coup de masse. Oh. Esquive, putain. Oh. Au revoir. Allez, salut. Je ne suis pas un ennemi. Peut-être qu'on va se calmer sur le secondaire quand même. Hein. Tu te fous de ma gueule qu'il me faut une couille ici? Il me faut la couille du début là? Je vais ouvrir la porte là déjà. Si je peux. Normalement je dois pouvoir ça. Ouais voilà. Je peux pas avoir la couille centrale ? Merci. Sauf que là, on va avoir un problème du coup. Il me faut les deux couilles. Non ? Si, il m'en faut une de l'autre côté là-bas du coup. Mmh. Ok, j'ai compris. Go chercher la première. On finit cette énigme tout le monde et puis je pense qu'après on s'arrêtera là. Merde. Non. Non. Merci.
Ça en fait une. Ah, alors voilà ces droïdes espions. On n'est pas les seuls à s'intéresser à ce complexe. Non, bah non. On a fouillé la totalité du complexe, BD. Voilà notre dernière étape. Si la clé de Tanalore existe, alors elle doit être là. Et sinon, c'est que Zed a vraiment pété un câble. Je l'ai gardé pour l'instant, mes points. Ce sceau me paraît familier. Allez, terminons au moins ça. Voilà que Samtari Cree avait l'intention d'envoyer Zed. La clé de Tanalore a été cachée pendant des siècles. Ça a marché. On dirait que le complexe s'active. C'est l'heure de vérité. Un être vivant. Un intestin grêle. Incroyable. Bienvenue à Tanalore. C'est magnifique. Oh. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. Oh. Là, ton mode, mais vous êtes. Oui, c'est un peu ça. C'est qui lui? Croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre vous côté. Vous êtes qui là? Non, parce qu'avec tout ce que je viens de traverser pour arriver jusqu'ici, c'est viens pas possible que vous soyez amené en deux secondes quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi Dagan Gera se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. Comment pourrais-je refuser? Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh, fais attention. Ou on pourrait croire que tu es devenu humble. Il me plaît pas trop, moi, le mec, là. Comme il a envie de le découper. Je sais pas, il sonne faux un peu. Bah go le découper en rondelles. Hein. Oh ok. D'ailleurs on a assez de trucs pour retourner à la cantina, acheter les vœux aussi. Mm. La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Nous allons construire Oups, le temple. Je t'ai poussé. Attends, je deviens cet homme. Oui. C'est aussi ce que je pensais. Je peux pas courir. Enfin, je peux pas sprinter ni rien. Hein. Ouais. On finit ça, après on s'arrête tout le monde. Je vais au moins arriver au bout de ça. Vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie, Santari.
Et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalore ? Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème ? Notre temple sera un bastion pour l'ordre. Ici, à la frontière galactique. La bise bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Je l'aime pas. Décidément, je l'aime pas. Je sais pas toi, mais moi, le mec, il m'inspire pas... Il m'inspire pas confiance du tout, le man. Bon, on peut toujours le brûler. Dans le doute. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du conseil ne sont pas réputés pour leur jugement actif. Tu les brûles, si ils brûlent, bon bah, elles sont innocentes, mais si elles brûlent pas, bon bah... Et pourtant, tu as gagné. Les sorcières, donc du coup, on les tue. Tu sais bien que ce n'est pas mon Moyen-Âge. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Moi pas. Et le conseil aussi. Moi pas. Aie confiance en leurs décisions. Non. Ne fais pas confiance à ce mec. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-lui, non, va mourir au fond d'un ravin, hein, voilà. Préviens les autres. L'Empire ? C'est bon, hein. Vas-y, montre-moi ton sabre. Oh, monsieur a une épée jaune. Tu n'es pas là. Grave, les nôtres sont blancs. Tu ne devrais pas être ici. De toute façon, tu gagnes sur lui en style. Libère-moi. S'il te plaît. Ah, c'est donc lui, la clé de Tanalore. Il a perdu un bras, j'ai l'impression, quand même. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Du tout. Oh, ce sabre.